Coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour la suite de A Plague Tale Requiem. Je suis super méga impatiente de continuer. Sans plus tarder, c'est parti. Chapitre 3, un fardeau de sang. Lucas, viens, dépêche-toi. J'arrive. J'ai entendu Hugo crier, que se passe-t-il? Il n'a pas bien réagi, il fait une crise. Quoi? Mère! Vous devez arrêter ça. On ne connaît pas cet homme. Amicia, nous avons toujours su que ça pouvait arriver. Et cet homme est un membre éminent du plus ancien collège d'alchimistes de la Terre. L'Ordre connaît la Macula. Hugo n'est pas seul. Je suis là. Il faut trouver de toute urgence de la belladone pour calmer les spasmes. Il y a un herboriste aux abords de cette ville. Il est situé de l'autre côté du quartier des Bouchers, à l'orée d'une forêt. Tu verras. Très bien. Je viens avec toi. Ici, je ne serai à rien, de toute façon. Ouh. Saleté de pluie. C'est assez loin. Ne perdons pas de temps. La situation est de pire en pire. Je sais que tu es inquiète. Mais laisse un peu de temps au Magister Vaudin. Du temps? Du temps pourquoi? Pour faire souffrir Hugo encore plus? Il mène des expériences. Mais il sait ce qu'il fait. Personne n'est plus compétent que lui. Oh, arrête avec ça! Il traite mon frère comme un animal. Non. Il faut trouver une autre solution. Comme cette île dont rêve Hugo. Un rêve? Qu'est-ce qu'on peut faire d'un rêve, Amicia? Continue de veiller sur lui pour moi. S'il te plaît. C'est ce que je fais. Mais ça ne suffit plus. Ils sont tous partis. C'est par ici, je crois. J'arrive pas à croire qu'ils ont condamné la reine. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bien, notre porte devrait être par ici. Oh, ça empeste. Eh bien, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Je la vois. Bon, tu es prête? Oui, allons-y. Oh. De la viande pourrie. Oui, c'est le quartier des Bouchers. C'est le plus court pour aller chez l'herboriste. Par ici, bonnes gens! Elle est belle, ma volaille! Elle est belle! Porc, du porc! À rôtir, à bouillir! Si vous n'avez jamais mangé de bœuf, ça met l'eau à la bouche, c'est vrai. Voilà les portes de la ville. Nous n'y sommes pas encore. Et l'état d'Hugo pourrait empirer à chaque seconde. Vite! Ça va bien se passer. On y sera bientôt, maman. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-nous passer. Que se passe-t-il? Rien de bon, on dirait. Par ordre du comte Victor Clarke, ce quartier est désormais condamné. Il est interdit d'entrer pour votre propre sécurité. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, le temps presse. Il y a peut-être un autre chemin. Dites-nous ce qui se passe, au moins. Les enfants sont à l'intérieur. On sait bien qu'il y a un problème. Qu'est-ce que vous nous cachez? Des gens sont morts. Il y a une ruelle par là. T'en penses quoi? Tu vois un moyen d'entrer? Attends. Tu penses? Oui. Par ici, Amicia. Ça a l'air sûr. On est chez quelqu'un? On ne fait que passer. Je le sens pas du tout. Dites-moi que je rêve. Les déchets des boucheries. Il faut vraiment passer par là. N'y pense pas. Retiens ta respiration. Non. Non, 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 non. Yark. Oh, non.
Me dis pas. Si. J'en ai eu dans la bouche. Je t'ai dit de pas respirer. J'ai paniqué. Oh, Lucas. Toutes les choses qui doivent proliférer là-dedans. Pourquoi diable penses-tu à une chose pareille? Ça m'empêche de perdre l'esprit. Peut-être, mais c'est moi que ça va rendre folle. Dis-toi que c'est seulement une transformation de la matière. Oh, Seigneur! Mes bottes sont fichues! Le sol est recouvert de sang. Comme la reine. Tout cet endroit n'est qu'un appât. Hein? Je passe par où? Ah, là. Il y a une charrette qui bloque. On doit continuer. J'ai besoin de ton aide. D'accord. Attends, non ! C'est quoi ça ? Et voilà, fallait s'en douter. Non ! Pas encore ! Il nous faut de la lumière ! Vite ! Je le savais. Les rats se répandent déjà. On va encore devoir se frayer un chemin. On va y arriver. Pense à la Belladone, c'est tout ce qui compte. Oui, oui. Ouais, mais il y a des rats coincés ici, donc ils vont me manger, moi, si je passe. Non, c'est bon. Tu as entendu? Il y a encore des habitants. Ils n'ont pas évacué les maisons. C'est comme à la reine. Les brasiers sont trop faibles pour qu'on puisse traverser. La viande les a attirés. Ah, il faut qu'ils bougent. Ils veulent dévorer cette carcasse, c'est ça? Oui, évidemment. C'est quoi cette poudre? Du salpêtre. Ça sert à conserver la viande, mais c'est assez épais pour étouffer le feu. Bon à savoir. Et voilà. Ah, voilà, là ça a marché. Et du coup... C'est quoi ça, un peu? C'est encore du salpêtre, non? Oui. Il y en a plein. Seigneur, c'est infesté. Folle! Attends! La lumière! Les habitants? Sans doute. Combien sont restés ici? Le feu maintenant. Il y a du salpêtre à l'extérieur. Oui. J'espère qu'on trouvera l'herboriste dans ce chaos. Il est hors de la ville, non? Il est peut-être épargné. Ok. Trouver un moyen d'éteindre ces flammes. Il y en a trois autres ici. Ils se sont pas laissés faire. Oh non, un soldat. Hé hey! Qu'est-ce que vous fichez là? On ne fait que passer. Personne ne doit sortir. Ce sont les ordres. Attendez, non. Vous devriez être mort. Il va la lancer. Zut. Amicia. Oh Seigneur. C'était moi une. Tu viens de tuer un soldat de l'armée de Provence. Je sais. Ah oui, mais bon, hein. Pourquoi nous a-t-il attaqué? Regarde. Il tue les habitants. Ils exécutent la population. Hé hey, reviens ici, enfoiré. Non. Lâchez-moi. Bon sang. On n'ira pas plus loin. Cette vermine est plus efficace que nous. Il nous tuera sans hésiter s'il nous voit. C'est eux ou nous maintenant.
Draco a besoin de cette Belladone, et vite. Tu as sûrement raison. Écoute, tu peux utiliser ce salpêtre contre certains pour préparer de l'extinguis. Ça devrait suffire pour éteindre la torche. Amicia, prends-le. Prends-le quoi? Ah, pardon. Extinguis, d'accord. Ok. C'est fait. Maintenant, lance-le sur la torche pour... Tu sais. Je sais. Ok, deux secondes. Ça a marché. On l'a déjà fait par le passé, mais c'est toujours... choquant. Oui. Et je devrais peut-être le refaire. En tout cas, merci. Attends, est-ce qu'on peut passer du coup en toute sécurité parce qu'ils sont en train de manger? Oui. Laisse-toi, voilà un autre. La ferme! C'est votre problème! Ils ne l'ont pas volé. Pas le temps de s'apitoyer. Hugo compte sur nous. N'oubliez pas de marquer d'une croix les maisons visitées. Il faut impérativement évacuer les cadavres hors de la ville. Mais oui, éloignez les corps. Les rats suivront. C'est complètement stupide. Le succès avec les rats. On doit quitter cette ville. Et laisser Vautin derrière nous. Pourquoi, Amicia? Pour une île vue en rêve. Un rêve qu'il fait depuis des semaines. On ferait juste brûler tout le quartier. Pour finir une bonne fois pour toutes. Oh zut, ça marche pas. Ce claquement venait de pas loin. Oh zut, je me suis trompée. Qu'il a placé la ville sous l'autorité de la bête. La bête? Ça explique le carnage. Ce type est un boucher. Il y a deux torches. Ton pot. Un nuage d'extinguis peut éteindre plusieurs torches. Un pot d'extinguis, ça peut marcher. Qu'est-ce que tu fabriques? Les rafleurs sont déjà passés. Ils ont peut-être oublié des trucs. Ha, tu rêves, mon gars. On a déjà perdu assez de temps à cause de... Ils ont fermé la herse. Il doit bien y avoir un moyen de le rouvrir. Je comprends pas comment monter. Ah, par là, ok. J'espère qu'Hugo tient le coup. C'est dur à entendre, mais il a connu bien pire. Il faut que ça cesse. Vas-y. Est-ce que... Merci. On va avoir un problème. Quoi?
Il n'y a pas de frein là-dessus. On va devoir courir. C'est ça. Lâche à mon signal. Maintenant. J'arrive. Allez, plus vite. Je suis derrière toi. Oh. Oui. On y est. Beau travail. Regarde. Pas de rats. Ils se sont arrêtés au mur de la ville. Ils se fichent des murs. C'est à manger qu'ils veulent. Je ne vois pas de soldats non plus. Pour l'instant. J'y pense. Dans le laboratoire de Vaudin, il y avait une fresque représentant une île. Je l'ai vue, Lucas. Que dis-tu de ça? Vaudin, c'est forcément quelque chose. D'accord, d'accord. Je tenterai de demander. Merci. Bon. Mère a dit que l'herboriste vivait à l'orée d'une forêt. On ne doit pas être loin. Quel silence. C'est étrange. Il y avait des gens ici récemment. Cette forge a été utilisée récemment. Hé, il y a un établi là. Tu peux t'en servir pour améliorer ton équipement. Génial. Tu devrais y jeter un œil. On ne sait pas ce qui nous attend. Oui, d'accord. Alors. Je peux utiliser l'outil que j'ai trouvé. Ouais, ok. C'est mieux. Ça m'aidera bien. On peut y aller? Oui, on sort. Oh, il y a un cadavre là. Les rats? Non. Poignardé. Les soldats, sans doute. Les rats, ils sont là aussi. Je te l'ai dit, ils se moquent bien des murs. C'est à cause des carcasses. Oui, ils suivent le sang à la trace. Mais on ne sait pas où ils s'arrêtent, ce sang. Ok, let's go. Voilà. Vous avez oublié ? Je vais arranger ça. Je ne m'y attendais pas. Moi non plus. Cette pourriture. Je crois qu'on n'a pas fini d'en croiser. Ça doit s'arrêter. Vite, vite, il faut se cacher derrière la carcasse. Je sais que c'est l'enfer, mais concentrez-vous sur votre tâche. Nettoyeur. Lâche-toi. Merci. Je savais que tout s'ira, ce n'est pas normal. Et nourriture, c'est tout. Ils se croient en guerre. Une guerre perdue d'avance. Vous êtes si agressif. Est-ce que... Ok, j'espère que... Pourquoi vous êtes si agressif ? Qui nous a pas vu ? Oh !
do. Je peux prendre le loot ici ou pas? Ces cadavres. Je connaissais ces gens. Les regardez pas si ça vous chagrine. Ce n'est pas l'œuvre des rats. C'est vous! Vous les avez tués! Je veux voir mon épouse! Écoutez, on doit aller où par la porte qui est là? Et mon épée est encore tiède. Alors. Il faut faire quelque chose. Ils sont encerclés par les rats. Ouais. Vous voulez mon aide? Ah, vous êtes déjà tous condamnés! Écoute, l'herboriste, si tu la fermes pas, vous tomberez bientôt malade. C'était... Vous regarderez mourir en riant. Arrête! À genoux, j'ai besoin de sommeil, moi. Il va l'exécuter. Je sais pas quoi faire. À toi de te mettre à genoux si tu veux mon aide. Chien! Tu as dépassé les bornes. Étrange. Oh. J'ai des fantômes dans ma pièce ou quoi? Voilà, ils arrivent dans le buisson. J'ai pas de bâton. Je savais que tous ces rats, c'était pas normal. Vous voulez toujours me dévorer ? T'as vu ça? Faut que j'aille voir. Ils viennent par ici. Quelque chose a bougé? Je vais jeter un œil. Mais... Finalement, c'était rien. Hein? Rien. C'est bon. Donc il y a un mec là-bas. Vous avez envie de me croquer, hein? Eh, vous avez l'air affamé, hein? Vite. Quelqu'un se cache dans le coin. Cherchez pas. Ils sont partis par là. Je le sais. Reste hors de vue. Cherchez les intrus. Toi, reste hors de vue. Appelez si vous voyez quelque chose. Tout de suite. Oh là là. Oh oh. Ça fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais où vous êtes là! Je les vois! Bon sang! Prends-toi! Je ne le répéterai pas! Vous ne pourrez pas vous cacher éternellement dans l'herbe! Si, si. Là! Capturez-les!
Je les vois. Les intrus sont allés dans l'herbe. Je sais pas se bagarrer ici, il y a la lumière. Là, capturez-les. Ah, je peux pas. Pourquoi je peux pas le poignarder? Hein? Je ne sais pas. Tiens. Je peux pas. Pourtant j'essaye hein. Bon écoutez. Est-ce que maintenant je peux? Pourquoi je peux pas? Bizarre. Bon attendez. Moi il me faut un bâton. Donc je prends le bâton. Merci monsieur. Est-ce que je peux passer le mur avec le bâton? Oui. Merci. Ah, je vois. On est repéré. Pourquoi? Est-ce qu'il faut mettre derrière lui? Excusez-moi, monsieur, hein, j'y arrive pas. Hop. Vite, vite. Ok. Viens. Vite, vite. Ta seule chance. Yes. Suis-moi. Bon sang, je les ai perdus. Bien. Je pense qu'on est en sécurité. Oh. Je suis assuré. Estime-toi heureux de ne pas être dans une charrette. Regardez tous les oiseaux qui se sont pendus. Lucas, dis-moi, dis-moi qu'elle est là. Nous sommes chez l'herboriste. Il faut chercher. Dis-moi à quoi ressemble la belladone. Cherche une fleur violette. En forme d'étoile. Étoile violette. Étoile violette. Non, c'est pas ça. De la lavande. Oh, pas de fleurs ici. Ton sang. Ton sang. Concentre-toi. Eh, on y est. Tout va bien se passer. C'est ça. Mmh. Oh, non, non, pas la bonne forme. Oh, il est pas ici. Je sais. Allons dans la maison. Oui, elle doit être là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Une échelle? La fleuriste, la femme de l'herboriste. Ils l'ont tuée. Oh non. Les salauds. Elle était si gentille. Une belle plante. Très utile. Oui. Mère nous en donnait toujours quand on avait mal au ventre. C'était ce qui pouvait nous arriver de pire à l'époque. Des outils de jardin. Oh, c'est une blague. Il n'y a que de la camelote. Oh, ça ne mène à rien. Et je suis là, au lieu d'être à ses côtés. Comment on va retourner là-bas? J'ai les mains moites. Trouvez-moi tous ceux qui se cachent. Amicia, viens voir. Des soldats. Viens voir par toi-même. On a beaucoup de temps, alors remuez-vous. Vous, patrouillez ici. Donnez l'alerte si vous voyez un de ces maudits rats. Les autres avec moi. Prenez tout ce qui a de la valeur. Nourriture, médicaments, tout. Non.
Ils vont entrer. Qu'est-ce qu'on fait? Hé hey. Quoi? T'as pas l'air bien. Mais si. Non, pas du tout. T'arrives même plus à respirer. J'ai le vertige. Mon cœur s'emballe. Je sais. Écoute, les soldats vont emporter tout ce qu'il y a ici. Je dois récupérer la belladone avant eux. Il le faut. Non. Tu ne peux rien faire dans cet état. J'y vais. Je serai discret, ça ira. Si jamais il... Alors je m'enfuirai. Ce ne sera pas la première fois. C'est un mec, ça, ou c'est un arbre? C'est un tronc d'arbre. Ils doivent être ailleurs. Hein? C'est un mec? Ah non, c'était un tronc d'arbre. C'est un mec qui est plus loin qu'on entendait. Oh oh, il nous a vu lui ou pas? Non, on dirait que c'est nous. Vite, vite. Il va nous voir si on monte. Que je vais sous la table. J'ai vu qu'il y a du loot, je sais pas si je tente parce que c'est dangereux, mais j'ai envie de tenter. Oh non, non, c'est trop dangereux.
Il y a l'autre qui nous voit, tant pis. Ça venait de là. Faites qu'il soit vivant, par pitié. Parle, petit. Qui est avec toi? Ah! Allez, toi ne serais pas arrivé ici tout seul. Parle vite, ou je te tue. Laissez-moi partir. Il t'en fait du mal? Je m'en remettrai. Merci. Celui-là a compris la leçon. Sale chien galeux. Hey, oublie ce soldat. J'ai trouvé la Belladone. Il faut qu'on parte. J'ai entendu des cris dans la grange. Ils arrivent. Venez. Va te cacher. Je m'occupe d'eux. Non, on a ce qu'on voulait. Partons d'ici. Non, ils vont nous suivre. Et j'en ai assez de fuir. Un homme à terre. Il y a déjà un truc. Alerte. C'est ça. Venez. Il est où? Je vous attends. Où? Tiens, prends ça! Tu vois, des mois que rien, aucune raison d'avoir peur. Amicia, qu'est-ce que tu fais? On doit partir. Non! Je suis fatiguée d'avoir peur. Qu'est-ce que je vais leur montrer que c'est terminé. Dépie-toi! Viens, j'ai quelque chose pour toi. Il a un bouclier. Attention, une intruse! Elle est armée! Vise les sacs, Amicia. Ça va les aveugler. J'aimerais bien, mais tu es où? C'est mon territoire maintenant! Ils vont tous mourir! Tu es mort! Ah oui! Viens alors! Montre-moi comment tu vas faire! C'est tout ce que vous avez? Allez! Tu dois arrêter ça! On va mourir ici! Tu te trompes! Tu as peur! Cette peur, tu vois l'instiller chez eux! Oui, suis-moi! Mon chien! Arrêtez là! C'est une gamine qui joue les... Ouais! Une gamine qui vous massacre! Patience, ton tour viendra bientôt. Remettez-la à sa place. Oui, venez. Je vous attends. Vous voyez? C'est moi qui fixe les règles maintenant. Ça suffit. Non. Toute notre armée est en jeu. Non. Vous l'avez déjà perdue. T'es mort. T'es mort, tu m'entends? Je t'apprendrai à tuer mes hommes. On ne l'a pas fini avec vous. N'espérez pas une mort rapide après ce que vous avez fait. On a payé le bourreau pour qu'il s'amuse un peu avec vous, avant de vous pendre. Tu devrais t'asseoir. Et c'est tout ce que tu as à dire. Allez. Tu peux faire mieux que ça. Il y a toute une garnison ici. Tu devrais te laisser un peu aller. Arrête. Non. Tu vois pas dans quel pétrin on s'est mis. On était juste censé ramener des plantes. Comment tu crois qu'Hugo va s'en sortir sans elle? Et sans sa sœur qui va finir pendue? J'ai fait une erreur. D'accord? Je comprends pas du tout ce qui m'arrive, Lucas. J'ai l'impression de devenir folle. Oui, parce que ce monde fait souffrir. Encore et encore. Et tu veux lui faire payer. Mais c'est un combat perdu d'avance. Tu n'es pas comme eux. Tu es une de runes. Préparez les condamnés. C'est nous, écoute. Ça s'active avec du feu. Attends mon signal. Du feu. Dehors vous deux. La corde vous attend. Bref, j'attends ton signal. Restez là. On va attendre le bourreau. Ils vont en finir avec quelqu'un là. Tenez-vous bien devant la bête. Il faut qu'on se dépêche. Vous êtes que des morceaux de viande.
Juste bon pour les corbeaux. Agissez comme tels. Vous avez tué de bons soldats qui tentaient de sauver notre ville. Vous nous avez poussé un peu plus vers le chaos. Votre mort... Lucas, les escaliers, vite! Ça ne durera pas! Qu'est-ce qui se passe? J'appelle ça stupéfaction. Tu t'y vas. C'était efficace. Oh, ils sont toujours pas froids. S'en fout rien. Ça va les ralentir. Tu nous as sauvé la vie là-bas. Oui, oui. Où va-t-on maintenant? Il doit bien y avoir une passerelle ou... ou un toit. Fermé. Non, non, on ne peut pas rester ici. Il y a une fenêtre là. Imaginez, il y aurait des gens dans les lits. Elle surplombe un toit, Lucas. Pas le choix. Oh, Seigneur, c'est haut. Oh, la vue, c'est magnifique. En quelque sorte, viens. Oh, qu'en pensez-vous? C'est pas du tout sans danger. Chut, calme-toi. Viens. Je crois que c'est la seule façon de sortir d'ici. Tu plaisantes? Non. Reste collé au mur. Oh, pitié. Pitié, pitié. Allez, tu peux y arriver. Je suis désolée pour tout ça. Tout est ma faute. Là, honnêtement, je m'en moque. Il y a un autre toit. On y est presque. Descendons de ce toit, par pitié. J'espère qu'ils ont réussi à... Regarde, je ne peux rien faire. Dépassons-le en silence. Là. C'est quoi? Encore des réquisitions? Ouais, depuis les faubourgs, les portes du quartier débouchées. Ah, alors c'est vous qui êtes tombé sur la folle, hein? Ouais, cette foutue sorcière et sa fronde. Mais la bête l'a eue. Et on a trouvé assez de viande pour tenir une semaine. Beau boulot. Allez au dépôt, vite. Ta fille va être pendue sous peu. Il va y avoir beaucoup de monde. Oh, j'y serai. Tu parles. Ce chariot, Amicia, la Belladone devrait y être. Et ta fronde aussi, peut-être. On ne peut pas prendre un autre garde. Oh, il bouge pas. Mais il y a un feu. Tu as toujours cette chose qui fait de la fumée. Le stupéfaction. Oui. Dis-moi quand tu es prête. Lucas, lance la stupéfaction. Oui. Avant de faire le reste, bon. Dépêche-toi, ça se dissipera vite. Il y a quelque chose du côté ici. Non. Je regarde juste pour le loot. N'arrivez pas, je vous aurai. Il va nous voir là, non? Vraiment? À quoi ça sert de faire des réserves pour un siège? Il va nous voir. Je dis pas que les gens vont pas paniquer, mais des émeutes. Ils vont vouloir quitter la ville. Ici. Mais quand ils comprendront qu'ils ne peuvent pas. Ils vont se retourner. Tu sais où on doit aller? Non. Continuons d'avancer. J'improvise. Au fait, t'as fini? Sous la table. Fini quoi? Oh non! Nettoyez la réserve! Je fais que ça depuis deux jours! Laisse-moi faire une pause, mon sang! Ne bouge pas! Allons-y! Je suis mort de fatigue. Je dors plus avec tout ce qui se passe. Allez, oh. Mais je suis revenu là. C'est pas là que je dois aller. Oh, c'est là, la porte. Oh, j'avais pas vu. Ok, tout va bien. Juste là. C'est tout près. Hein? Il faut qu'on descende. J'ai tellement hâte de rentrer.
Tu as raison. Alors ça veut dire que la Belladone doit être ici. Et ma fronde aussi, d'accord. Tu cherches la Belladone, et moi je cherche ma fronde. Elle pourrait servir. Oui, la Belladone. J'espère qu'elle est toujours bien emballée. Y a quoi ici? Plantes séchées, poudre. Oh, cherche encore. Des armes. Épée. Dague. Oh, pas de fronde. Peut-être ailleurs. Pourvu que personne ne vienne, on serait. Non. Ne dis plus rien. Oui. Non. 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 Mais ça. Ça pourrait quand même être utile. Mais où se cache cette Belladone? Il y a un truc là-bas, attendez. Oh. C'est quoi ça? Non. Peut-être ici? Non. Allez, allez! Oh, quelle pagaille! Pitié, pitié! Ils peuvent arriver n'importe quand. Ton sang, elle est où cette Belladone? Peut-être ici. Oh, s'il vous plaît. Ah, il y a plein de choses utiles ici. Où l'ont-ils mis? C'est. Oui. J'ai trouvé les forces démons quelque part. Enfin, ça n'aura pas servi à rien. Un alchimiste a toujours du flair. Plus qu'à trouver ma fronde, et ça a l'air fermé. Peut-être avec un couteau. Mmh. Oh, te voilà. Je l'ai. Attention avec ça, d'accord? Je sais. Allons à la porte et sortons vite d'ici. Oh mince. C'était quoi ça? J'ai cassé un couteau. Mais ça valait le coup. Il y a plein de choses là-dedans. Je vais devoir ouvrir l'œil. On pourrait trouver d'autres coffres. Voyons ce qu'on peut faire. Attendez, j'avais vu un truc tout à l'heure. De la Guyane. Vraiment? Qu'est-ce qu'elle fait là? Aucune idée. La mer est là. Le lac. La maison était... par ici, je dirais. Ouais. Hé, hey, arrête. Tu te fais du mal avec tout ça. Oui. C'est... c'est du passé. Je crois que c'est un succès. Nouveau foyer. Ah non, c'est pour des souvenirs, c'est pas des succès. Alors elle est où la porte? On a looté tout ce qu'il y avait à looter, hein. Alors, des gardes. On va partir bientôt? Je sais pas et je m'en fiche. Vaut mieux pas aller là-bas, crois-moi. Ton sang, la sortie est juste là. Ils sont trop nombreux. On ne peut pas se faufiler. Et on ne peut pas rester non plus. On a besoin d'un plan. Oh, j'en sais rien. Cet endroit est plein de choses. Jetons un coup d'œil. Bien sûr. Tu vois ce que je vois? Quoi? Là-haut. La baliste. Écoute, j'ai trouvé assez de matériaux pour faire une grande quantité de stupéfaction. On peut en enduire la pointe du carreau, le décocher et espérer que la friction de l'impact suffira à embraser la substance. Et on aura assez de fumée pour tous les aveugler. Si ça marche. On n'a pas de meilleure idée. Faisons descendre cette baliste. Je vois une manivelle là-haut. Comment faire pour monter? Je ne vois rien. Il doit y avoir un moyen. Hé, va chercher plus d'hommes. On double toutes les patrouilles. Dépêchons-nous.
Je ne sais pas. Regarde-moi cette pagaille. Ça pourrait être... Là, j'ai trouvé un chariot. Oui, bien joué. Mettons-le en place. C'est bien trop calme. La pagaille en ville doit jouer en notre faveur. Oui, ils ont peur. Stupéfaction. C'est de la folie, Lucas. Au point où nous en sommes. Allez. C'est bon. Je crois qu'on l'arme avec la manivelle sur le côté. Je m'en charge. Alors, tu vas ouvrir les portes. Non. Tu dois tirer au travers. Le réactif a besoin de friction. Quoi? Mais on sait même pas si ça va traverser. Trop tard pour s'en soucier. Tu es prêt? Prêt. Enfin, vous avez mis tant de temps. Eh bien, je... L'herboriste était sorti. On a dû attendre. Mais on a ce qu'il faut. Nous allons lui donner ceci. Oui, nous avons déjà perdu assez de temps. Comment va-t-il? Il est épuisé. Il s'est endormi quand ça s'est calmé. Dites-lui tout va que... bien. Il est en de bonnes mains. Les meilleures, je t'assure. Oui, ça vaudrait mieux. Surtout pour vous. Et voilà, c'est la fin du chapitre 3. Qu'avez-vous pensé de ce chapitre? Eh bien écoutez, je vous remercie d'être venu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez du jeu. Moi j'adore, je suis super méga impatiente de continuer, de découvrir la suite de l'histoire. Le jeu est magnifique, les musiques sont magnifiques aussi. Vraiment, hein, au niveau du scénario, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe quoi. Donc j'espère que vous avez autant de plaisir que moi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, la partager autour de vous, ça m'aide beaucoup si vous le faites. Donc merci infiniment. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner si jamais ce n'est pas fait. Et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Profitez bien de votre soirée et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.